What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo qui change un petit peu par rapport à d'habitude. Je voulais absolument vous le partager puisque voilà, ça va vraiment tous vous aider. C'est vraiment la meilleure application qui existe aujourd'hui sur téléphone et croyez-moi, j'en ai essayé quelques-unes. Elle vous permettra vraiment de pouvoir passer vos équipements d'un personnage à un autre avec une facilité déconcertante, vous allez le voir. Alors avant toute chose, je tiens à préciser que je ne connais pas la personne qui a fait cette application. Je pense que c'est un américain et je pense que vous allez voir dans la suite sur les screens que son nom c'est Jam01. Si jamais tu regardes cette vidéo et que tu comprends un petit peu le français, franchement un grand merci à toi parce que là t'as vraiment géré. Il y a aussi à préciser que cette application est pour l'instant uniquement disponible sur Android. Donc désolé pour les propriétaires d'iPhone, mais pour l'instant elle n'est pas disponible sur le Apple Store, mais j'espère vraiment que ça viendra pour vous sur Apple Store parce qu'elle est vraiment très très utile, vous allez voir par la suite. Donc tout d'abord, je vous ai pris un petit screen du store tout simplement sur Android, donc vous voyez j'ai juste tapé Little Light, vous pouvez la taper Little Light for Destiny. L'application est gratuite, là je l'avais déjà installée, donc on se retrouve directement sur l'application. J'ai pris des screens tout simplement parce que j'ai pas le matériel qui permet de naviguer, enfin de pouvoir capturer en vidéo en fait le téléphone, faut des câbles un petit peu particuliers et je ne les ai pas, donc j'ai pris des screens directement. Donc là c'est le menu d'accueil, vous voyez, par contre c'est en anglais, on pourra pas le mettre en français, mais il n'y a rien de bien méchant, c'est vraiment très simple. Donc Guardians, ça va être tout simplement regrouper tous vos gardiens. Donc vous voyez par exemple là on était un petit peu avec mon Arcanist, donc on voit qu'il est level 34 de lumière, on voit son niveau de défense, on voit un petit peu l'intelligence, la discipline et la force que j'ai, voilà l'armure, tout ça, l'agilité. Donc ça c'est vraiment pour regrouper que ces stats là sur cet écran, donc sur l'écran Guardian. Ensuite il y a un deuxième écran, donc l'écran Inventory. Donc celui-ci c'est vraiment, mais vraiment le top du top pour vraiment pouvoir passer ses équipements d'un personnage à un autre. Je m'explique, tout simplement parce que vous n'aurez pas besoin de passer vos équipements par le coffre. En gros, par exemple pour moi, je peux passer directement mon arme de mon arca à mon chasseur. Et même mieux les gars, mais vraiment mieux, je peux passer les armes que je veux, c'est-à-dire que je peux passer entre, vous pouvez passer entre une et un exemple, hein, 10 armes en même temps. Donc d'un coup, vous pouvez passer 10 armes, par exemple, de mon arca au chasseur. Tout simplement pour ceux qui vont l'utiliser, je vous explique rapidement. Donc vous voyez, là, c'est votre inventaire. Il suffit simplement de rester appuyé sur une arme. Vous allez voir un petit carré qui va s'afficher, hein, comme sur le screen, en haut à gauche de l'arme. Et ensuite, vous voyez, il y a des petites croix bleues. En fait, voilà, faut juste sélectionner les armes que vous voulez passer. Et ensuite, en haut à droite, il y a un petit menu déroulant. Donc vous voyez, tout Volt, c'est pour envoyer au coffre. Tout Hunter, évidemment, le chasseur. Tout Titan pour le Titan. Et vous envoyez le nombre d'armes que vous voulez. C'est la même chose pour les armures. Franchement, c'est le top du top. Mais vraiment, c'est hyper rapide. Pas besoin de passer par le coffre. Par contre, petite précision, il faut avoir les slots disponibles sur l'autre personnage. C'est-à-dire que, par exemple, si vous voulez envoyer 5 armes et que vous avez que 4 slots de libre, il faudra libérer un slot avant d'envoyer les armes. Voilà. Mais c'est vraiment l'application la plus rapide. Franchement, c'est un truc de fou. Quand je l'ai vu, j'ai vraiment adhéré. Moi qui utilise d'habitude Bungie.net, le site internet directement, je pense que là, je vais vraiment passer sur cette application qui est vraiment le top du top. Sur cette application, vous pourrez aussi retrouver, donc voilà, en fait, c'est des petites sauvegardes, en fait. Par exemple, si vous voulez vous faire un arcaniste, imaginons, vous avez plusieurs arcanistes, vous voulez vous faire un arcaniste juste pour le PVP, et ben vous le mettez, vous mettez le casque que vous voulez, les armes que vous voulez, vous sauvegardez et vous aurez directement, en gros, un slot de sauvegarde avec directement donc votre personnage, voilà, ce que vous voulez sur votre personnage, le stuff idéal pour vous pour le PVP, voilà, c'est un exemple. Ensuite, vous retrouvez également, il y a un chat, hein, qui est disponible sur l'application. Franchement, je ne l'ai pas essayé, je pense pas, enfin voilà, parler après en anglais, je ne sais pas trop comment ça se passe. Ensuite, vraiment très très utile pour terminer, donc il y a deux choses. Tout d'abord, la première, c'est ce que vous voyez à l'écran, c'est tout simplement le récap de la semaine de chacun de vos personnages. En gros, par exemple, moi, hier soir, j'ai fait mes caveaux de verre, donc j'en ai fait un level 30, ça m'a validé le 26 en même temps, et j'ai fait mon cropta en 30. Bah vous voyez qu'il me reste encore mon 33 à faire, il me reste encore mes nuits noires à faire, il me reste encore toutes mes prisons des vétérans. Donc ça, vraiment, pour ceux qui sont à fond encore dans toutes ces petites activités-là, c'est parfait pour savoir où vous en êtes, pour pas vous perdre, voilà, vous savez ce que vous avez fait sur tel ou tel personnage. Et pour finir, très utile aussi, vous avez tout simplement le récapitulatif de tous les équipements exotiques du jeu par personnage. Et donc ça vous met une petite croix verte si vous les avez, ou la case reste vide si vous les avez pas. Donc vraiment, cette application, moi je la trouve vraiment parfaite. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais surtout dites-le moi après l'avoir utilisé quand même. Voilà, vous n'allez pas me le dire en voyant la vidéo, je vous conseille quand même d'aller vous faire votre propre avis. En tout cas, voilà, je voulais simplement vous partager ça avec vous parce que je pense que ça va faciliter beaucoup la tâche pour certaines personnes. Voilà, je vous laisse, prenez soin de vous les potes, je vous dis à très bientôt, je vous fais des gros bisous, tchuss.